On en était où? Ah, il faut défoncer les gobelins. Attends, je vais continuer. Feuille noire. Non, tu peux pas. J'étais pas en automatique. Calmer toi. Oh salut Atana. Alexia, c'est tout et voit tout. Ça va le... Ça va toi? Alors, tu sais quelque chose par rapport au gobelin? J'entends dire que... Ville Dieu. Calme Alexia, nous protège. Ouais, si calme. Elle le peut. Calme-toi, calme-toi. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, je dois refaire la config. Désolé, YouTube. Je sais pas pourquoi il sauvegarde pas. Ah non, c'est la dernière fois que j'avais... Ça va, ça va. La capture se fait bien, hein. Je suis obligé de te demander ça, mais... Chaque fois que je lance Morrowind, je sais pas, il y a... Dans le doute, ici on tuait tous les Elmer de la région. Parfait, merci. Royal. Je fais secrétaire. Ah! Oui, merci. C'est à l'ouest de la ville, on y trouve le manoir et le plus fortuné. J'ai l'impression que la musique, ça s'emballe là. Voilà, c'est bien. À tout le monde stream Animal Crossing, ça me gave. Ah! Oui, tout le monde me parle d'Animal Crossing et moi aussi ça me gave d'ailleurs. Oui, mais Dieu, je t'ai déjà parlé. Ok, merci. Ma chambre. La justice est toujours à pied d'œuvre. Ok, t'as rien à m'apprendre. Bon, après, moi je suis. Si vous cherchez quelqu'un pour sauver vos RVR. Ah putain, on peut prendre quelqu'un avec nous. Alors, le jeu, c'est pas le problème, je trouve que c'est pas un jeu streamable, genre c'est trop chill. Ouais, bah justement, moi je suis en train de. Je pourrais pas jeter la pierre parce que. Je joue quand même à Morrowind qui est un jeu instreamable. Alors, ils m'ont dit à l'ouest. Peut-être pas là, je pense. Hein? Qu'est-ce qu'il faut à poil, l'autre là-bas? Regarde-moi ça. On va aller le voir. Mais qu'à poil, ça nous intéresse. Oui, évidemment, hein. Vous savez mon amour pour l'alchimie. Je ne savais pas comme ça. Ça, tu vas apprendre à me découvrir, hein. Regardez-moi cet homme fort bien galbé. Il s'agit d'un bel Hidalgo. Si vous regardez, non. Je suis pas paralysé et je n'ai pas rencontré le moindre sorcier qui m'aurait demandé de lui servir d'escorte. Si vous pouvez tout savoir pourquoi je suis... Parce qu'il fait trop chaud ici. Ah, que vous trouvez son pour les sorcières, vous autres, laissez-moi tranquille. Ah d'accord. En fait, c'est juste un mec à poil qui a trop chaud, mais qui l'assume pas trop. Pour les mecs à poil. C'est pas un mec à poil, c'est un fort bel athlète de beau gabarit. Je suis à Villedieu, on est d'accord. C'était Villedieu qui t'a marqué, pas Villedieu. C'était ça qu'on voulait.
Dans les égouts de Villedieu, oui. Bon, on va aller dans les égouts de Villedieu et puis on va aller casser du gobelin. Et ça, on aime ça. Casser du gobelin. Hein? Non, non, plus magicien du Langley. Ah! Ouais, d'accord, je vais t'aider. Souvenez-vous tout près, dis-moi. Ah putain, en plus c'est dans les égouts, c'est parfait ça. C'est où tes égouts? Tu peux m'indiquer le chemin? T'es quoi comme race? Bah, je joue. J'essaie de faire à peu près un roleplay. Donc, je joue un Denmer. Pour Borwin. Quand je ferai Oblivion, je ferai un Impérial. Et quand je ferai Skyrim, je ferai un Nordic. Allez, on sauvegarde parce qu'on sait pas. Hein? Mais c'est toi? Oh, dis-moi, elle a les goûts maintenant. Et... Ah, mais non, c'est lui. Il a même suivi. Mais il va se faire tuer. Ouais, il y a du pognon. Je laisse pas passer ça. Hein. On n'a pas acheté. Ce qu'on n'a pas acheté, c'est des carreaux. J'ai dit que j'achetais des carreaux en plus. Est-ce qu'on le ferait pas? Parce que là, s'attaquer à du gobelin comme ça. Du pognon! Et mon petit. Oh là! C'est quoi ça? Elle a une robe enchantée? C'est vrai? Oh, petit Bob les bons! Je vais pas parler maintenant, j'attends quelqu'un. Putain, la hache, ils sont tous à me dire. Me parle pas. Tu me saoules. Mais j'étais dans le quartier des marchands en plus. Pourquoi j'ai. Non, j'y étais pas. J'y étais pas. Cours du temple, ok, d'accord. Désolé YouTube, hein, c'est pour mon setup. Ah, c'est comme ça que je repose mon bras. Je joue pas à PUBG non plus. Pas besoin de faire des grands mouvements. Putain, il va me suivre longtemps lui. Ok, on va aller acheter des carreaux d'arbalète. Parce que. Haha! C'est pas beau, ouais, franchement c'est beau. C'est le bel outil quoi. Pif. Alors, il est où le forgeron? C'est lequel dans le tas? Je me souviens plus. Ouais, 6 sur 10, ok. Je sais quoi, il me reste quoi? 4 de force et 1 des agilités pour avoir ça. Puis après, bah, on s'occupera du reste. Que personne ne tarise des loges? Ah oui, tarise des loges. Mais pourquoi je suis dans la bouquiniste? Ah, mon dieu. Ah, voilà, un endroit sain. Alors. Hein? Tu vends pas de. Comment ça? Ce qui est bon pour l'Empire est bon pour les armées. T'as pas un. Eh non, mais dégage, mais casse-toi! Mais! Mais allez! Oh là là. Bon, désolé, on évite ça. Oh là là là. Petite magie. Merde, c'est lequel qui vendait des carreaux? Il y en a bien un qui vendait des carreaux dans le tas. Ah non, il y avait une armurerie là-bas. Je pense que c'est pas l'armurerie qui vendait des carreaux. Je crois. Ah, vous avez laissé le corps. Il est en train de se décomposer tranquillement. À la vue de tous. C'est beau.
Ouais, quel courage, en plus on est en train de me féliciter parce que j'ai tué un mec comme ça dans la rue. C'est propre. C'est où ton... Ah, c'est là. C'est toi qui vends des... Hein? Ah si. Ah, c'est des carreaux pourris, hein, par contre. Hein. Carreaux de fer. Je vais prendre des carreaux d'acier. Je vais prendre des carreaux de fer aussi. Et hop. On prend le tout. J'achète tout. Du coup, ah. Par contre, je suis bon. On va commencer par le carreau de fer. Voilà. Oh, c'est beau. D'ailleurs, je vais participer au marathon film. Je vais sûrement participer au marathon filmant là de Zerator sur Slay the Spire. Il y avait The Witcher aussi qui m'intéressait, mais je peux pas tout courir tous les chevaux, donc va falloir choisir et ce sera Slay the Spire en phase 2 et phase 3. Que les maisons sont assez grandes. Par contre, l'architecture, bon, ah, c'est du Morrowind quoi. Bon allez, on va casser du gobelin. Hein. Ah, il est mort. C'est dommage, il est mort. Ah, il y a des potions. Ils sont pas si cons ces gobelins. Hein. Ça, c'est efficace hein, cette arbalète. Bon, non, mais tu descends sans armure aussi. Je vais la chercher un petit peu aussi. Skooma. Ah oui, non, mais non.
Vous voyez un peu ce que le scribe nous amène. J'imagine que vous devez lire votre petit Dilborn. C'est de ne pas faire de gestes rubis, c'est une tendance à être nerveux quand les gens me doivent de l'argent. Et vous, si vous attaquez les ordres de mes hommes sur l'air, tuez notre pauvre petit Dilborn sans défense, sans poser question. Mais si vous êtes là pour aider cette dette, tout le monde pourra nous entendre. C'est des autres. Il arrive de jouer de temps en temps en escalade de garde, si vous voyez ce que je veux dire. Dilborn est mon meilleur client et me doit actuellement 6 total de 3000 septimes. Hein, 3000 boules. Attends, vous pouvez pas baisser un petit peu. Pas pour vous, camarade, vous savez. Même mes amis seraient bien à peine obtenir les rabais. Ils doivent de l'argent. Bienvenue dans mon monde où les choses se passent comme je le veux. Voilà. Pas pour vous. On va le flatter jusqu'à ce que ça fonctionne déjà. Voilà. Puis ensuite. Eh bien, je ne pourrais pas vous donner de mauvaise idée au suivant. Hein. J'en ai tellement assez d'entendre gémir que je suis prêt à ramener sa rançon à 1000 septimes. Voilà, c'est bien de vouloir négocier. Ce n'est pas bien lourd, on va y aller alors. Bah, tiens, voici ton argent. Bonjour. Je laisse ce genre de boulot au patron. Allez trouver le patron. Je suis tellement jeune de quoi en financier, j'avais peur de quoi. Vraiment, vraiment, déjà. Hein? Je vais être seul pour plein, hein, on est trudé. Ah oui, le petit est mort. D'accord, ok, j'ai juste payé pour rien, quoi. Je m'énerve pas. Vous rendez compte qu'il y a, il y avait une armée de gobelins autour de vous et c'était tranquille, vous êtes tranquille en plein milieu des égouts. Qu'est-ce que c'est que ces machins? C'est quoi ces trucs? Dorgus malade. Ah d'accord. Ah oui, c'est ça qui parlait, c'est Dorgus. Ah, j'ai contracté une maladie. Bon. Bon, on verra après. Non, c'est pas bien rapide votre machin. Je te jure que je vais y arriver là. Remarque, j'ai peut-être des. Bon, la maladie est partie. Par contre, c'est pas bien résistant, hein, l'arbalète. Oula, j'ai à peine tiré, elle est un cinquième de partie déjà. De...
Ah bah, je connais ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Jules, on s'en va avec West. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, je suis où? Ah, allô. Bon, on va aller là-bas. Je suis ici pour rien, l'impression. Je suis ici pour rien. Ah, ça remplit de gobelins ici, mais... D'accord. Ah oui. C'est sûrement ici. Il n'y a pas beaucoup de gobelins à mou. J'aurais plus de... Bonjour. Le gars le sanguinaire, t'as bien baisé ton machin. Ils ont eu. D'accord. Bah ça va, moi je cherche des gobelins à tuer moi. Mais non. Je répare mon arbalète parce qu'il y a quand même mal en point. Mine de rien. Comment ça, mes armes restent sans effet? Putain, moi aussi j'ai des potions, regarde, t'en bouge pas. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux, c'est tellement chaud.
Le but, c'est pas d'arriver à eux et être complètement épuisé. Putain, c'est chaud quoi. Je peux être gentil mais... Putain, pourquoi tu t'appelles pas le même? Alors c'est chaud. Des carreaux en acier. J'ai trouvé le O au B là.
Oh non! Putain, c'est trop chaud. C'est vraiment trop chaud. Je veux bien être gentil, mais... Tremblez devant ma magie. Ah, vous n'êtes pas capable de faire ça, hein.
reviens. Ah non, je suis en vrai, vas-y. Hein. Pillage. En un contre un, hein, ça va. Pour l'attirer. Yes. En un contre un, ils sont tellement faibles. Ouais. Ça vaut 100. Alors ça met nous. Coup du palais, d'accord. On a bien taillé dans le vif, on est content. Tu sors d'où toi? Il y a un petit campement ici. Si, c'est quoi ça? C'est la magie de feu contre un dain de mer, c'est un peu idiot, mec. Bon, après, t'es un gobelin. Non, c'est idiot. La magie de feu contre un dain de mer, c'est idiot. Officier. Ah, il a un anneau de feu, c'est pour ça. Il disait d'un gobelin qui fait de la magie. Il ressemble pas à un chaman et tout. Toujours un ouais. Non, mais... Rien à foutre.
Que les trucs en argent pour tout toucher le les gobelins améliorés. Et là c'est là d'où je venais. Ok, parfait. Bon bah ça nous amène au palais royal. Hein. Ça progresse. Agilité, j'ai pas mis mon dernier point, tiens. J'aurais pu. Après c'est moins important que le. Que mettre le dernier point en constitution. En endurance. Ce dernier point qui vaut un PV en plus pris par niveau. Technique de je vole. Parfait. Oh, le joueur de PUBG quoi. Je fais pas un... D'accord. Oh, ça va tellement vite la lame. Hop.
problème des récup total, c'est qu'il se passe tellement de temps que pour repartir, je suis le même souci qu'avec les. La guilde des voleurs. Enfin la guilde des assassins. C'est grand. Hein. Mais je connais ici. Égout habité. C'est bizarre que je connaisse alors que j'ai jamais vu ces gobelins. J'ai eu des petits gobelins mais pas. Mais non. C'est beau, c'est une niche. Ah ouais, c'était une niche. Bon, ça veut dire que c'est pas par là les gobelins. Bon, je vais tuer le squelette quand même par principe. Bien. Je vais regarder là-haut, tiens. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'était quoi? C'est les coups du bazar, ouais. Mais non. Je pense qu'il faut aller. Oh, palais royal. Égout habité. Je pense qu'il faut aller aux égouts habités.
Ah, mais je connais ici. Ah, mais je connais. Putain, je suis en train de faire de fond en comble les égouts et je trouve rien. Pas une porte près du mec qui faisait de la magie. Peut-être une indication, le fait que le gobelin ait un objet magique. Champ de bataille. Hein? Pourquoi je suis pas allé là? Rien que le nom, ça donne envie. Ouais, c'était là. C'est ça, hein. C'est ça.